Alors bonjour à tous, bienvenue sur Daily FX, bienvenue au Morning Meeting. Morning Meeting dédié donc à la préparation aujourd'hui de la session de trading de la Banque Centrale Européenne avec une décision de politique monétaire attendue à 13h45. Peu avant, nous aurons pris connaissance de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et à 14h30, le fameux discours conférence de presse, phase de questions-réponses du gouverneur de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Alors on va préparer cette session de trading qui sera animée par Nicolas Chéron. Prenez aussi d'ores et déjà date et heure, puisqu'à 16h15, on vous propose une session de trading dédiée au gaz naturel, puisque les stocks de gaz naturel seront, quant à eux, publiés à 16h30. Et enfin, à 18h, un webinaire dédié donc à l'indice CAC 40, à sa négociation, à différentes stratégies de trading. Vous avez sous les yeux l'avertissement légal depuis quelques minutes, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, et bien sûr donc Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, puisque c'est Nicolas Chéron qui animera les sessions de trading de cet après-midi. Alors la grande question qu'on se pose ici, notamment au sein de notre recherche, l'euro baisse depuis maintenant 4 mois. Vous avez sous les yeux les chandeliers japonais journaliers de l'euro en tant qu'indice devise, et depuis le mois de mai, donc 4 mois, il est baissier. Alors c'est facile d'expliquer cette baisse de l'euro, essentiellement lorsqu'on analyse la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, et depuis, n'a cessé de se poser la question d'un éventuel rebond technique. Selon cet indice devise, on peut constater que jamais l'euro n'a été en mesure de franchir un niveau de résistance. Pourtant, il réagit bien depuis le début de la semaine, depuis un niveau de support ici, assez limpide sur cet euro-index. Et puis lorsqu'on regarde d'autres paires en euros, l'euro-yen, l'euro-GBP, l'euro-AUD, l'euro-CAD, on peut avoir le sentiment que l'euro prépare peut-être un rebond technique qui pourrait se traduire sur la paire euro-dollar par un franchissement des 1,3160$. Donc c'est la question qu'on se pose. On va bien sûr évoquer les autres paires de devises et notamment la livre sterling, mais nous ferons un tour d'horizon des indices devises. Et je vous proposerai quelques stratégies sur certaines paires de devises, des stratégies donc avec des niveaux d'entrée, des stops et des objectifs de cours. Donc l'euro index, vous le voyez ici, nous sommes en temps réel, voilà où nous en sommes. On constate donc la reprise depuis ce niveau de support qui est assez massif. Moi ce qui m'intéresse en fait c'est ce chandelier de la session du 2 septembre, alors c'était mardi. Mardi 2 septembre, pourtant lorsqu'on regarde l'euro dollar, il n'y a rien de vraiment transcendantal. Mais si vous avez jeté un œil à l'euro-yen, à l'euro-AUD, à l'euro-GBP, on avait des chandeliers intéressants, soit des grands corps, soit des marteaux. Reste qu'il faut désormais franchir une résistance apparente ici sur l'euro-AUD, en clair, sur l'euro-index. Et si l'euro-index venait à sortir par le haut de ce canal, nous pourrions envisager un rebond technique plus marqué. Alors en aucun cas, nous anticipons la fin de la baisse de l'euro à moyen terme, puisque nous estimons toujours que cette monnaie va se déprécier, mais cela peut dans un premier temps passer par un rebond technique, et qui pourrait donc se déployer au mois de septembre. Qu'en est-il des autres paires des autres indices devises? Brièvement, puisque je vais me concentrer sur des paires de devises avant de répondre à vos questions, moi je m'intéresse forcément au cas de la livre sterling, puisqu'il y a aussi la Banque d'Angleterre qui s'exprime. La livre sterling, rappelons qu'elle a démarré une phase baissière en juillet, là aussi depuis un niveau bien mis en évidence par l'indice devise livre sterling, le pound index, ses sommets ici de 2009. Et puis depuis, elle ne cesse de casser des supports, puisque nous connaissons le nouveau ton adopté par M. Carney, un gouverneur de la Banque d'Angleterre. Le sterling revient sur ce niveau de support ici, qui est un niveau horizontal, et puis qui est renforcé par cette oblique de support. Mais récemment, à chaque fois que s'est exprimée la Banque d'Angleterre, les niveaux de support ont été emportés. Et donc je pense toujours, notamment lorsque je regarde la paire GBP-USD, que la livre sterling peut casser des niveaux de support dans le sillage d'événements monétaires liés à la Banque d'Angleterre. Donc aujourd'hui elle est certes sur support, mais je n'exclus pas une cassure de ce niveau. Et donc cela forcément peut se traduire par une reprise plus appuyée de l'euro-GBP. Hier on a évoqué le cas du yen, du dollar canadien, du dollar canadien, du dollar australien.
Autant vous dire que le topo sur ces monnaies est assez limpide. Le dollar canadien a été haussier depuis le début du mois d'août, mais il travaille désormais un niveau de résistance. Il a du mal à accélérer davantage. Le timing n'est plus à l'achat. Le dollar australien a lui aussi connu une belle phase d'appréciation depuis le 11 août 2014. 4 semaines consécutives de hausse, 4 chandeliers hebdomadaires consécutifs de hausse. Les cours sont d'ailleurs sortis par le haut d'une pattern chartiste. Le timing n'est bien sûr plus à l'achat, puisqu'on peut parfaitement envisager un phénomène de retour du dollar australien sur un niveau de support avant derrière de reprendre la progression. Cela pour vous dire qu'en termes de timing, si on envisage un euro capable de franchir une résistance et un AUD entrant dans une phase de pullback, cela signifie qu'il faut peut-être s'intéresser à l'euro AUD par exemple. Donc là, je fais un travail préparatoire et ensuite nous en viendrons justement à ces paires de devises. Le dollar néo-zélandais, je ne l'évoquerai pas davantage puisque certes il est baissier, il se stabilise, mais j'estime qu'il n'est pas réellement sur un vrai niveau de support et qu'il peut encore aller chercher des niveaux plus bas. Donc je ne cherche pas de stratégie d'achat ici sur cette paire de devises. Quant au yen japonais, il est plus que jamais au bord du gouffre. Sous cette oblique de résistance, vous avez ici les chandeliers japonais hebdomadaires du yen japonais. Dans cette figure latérale, il pourrait sortir par le bas. Donc voilà pour les indices devises, mais retenons qu'on se pose donc la question de la capacité de l'euro, ce qui n'est absolument pas acquis, de franchir une résistance, sachant que jusqu'à présent, toutes les résistances ont été vendues à juste titre. À chaque fois, regardez, on cassait un support, ça devenait résistance, rejet. On cassait un support, ça devenait résistance, rejet. On cassait un support, ça devient résistance. Va-t-on encore assister à un rejet? Disons que la séance du mardi 2 septembre m'invite à m'interroger, et puis aussi l'importance de ce niveau de support. Donc voilà pour les indices devises. Maintenant, je ne perds pas davantage de temps. Je vais directement venir à des paires de devises qui peuvent faire l'objet de stratégies de trading. Il y en a 5 ou 6, donc je vous en parle, je vous les présente. Ensuite, on passera sur les indices boursiers, puis je me laisserai guider par vos questions et commentaires. Alors tout d'abord, évoquons le cas de la paire euro-dollar. Que peut-on envisager justement sur cette paire euro-dollar? Je ne passerai pas sur un graphique journalier, mais sur un graphique 4 heures. Je vais vous donner ce que j'estime être un cadrage de trading pour être dans un mouvement qui éventuellement serait déclenché aujourd'hui. Alors je vais laisser ici donc l'horizon de temps. Alors je vais charger le bon horizon de temps, voilà, nous y sommes. Et ensuite, nous parlerons d'autres paires de devises. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisager justement sur cette paire euro-dollar? Vous l'avez compris, elle est en position sous cette résistance des 1,3160. Mais à la différence près que depuis le 2 septembre, nous n'assistons pas de rejet. Et puis, donc, l'euro, en tant qu'indice devise, semble, mais sans pour l'instant franchir de résistance, peut-être être en mesure cette fois-ci d'en franchir une. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Concrètement, en termes de stratégie de trading, deux scénarios me semblent envisageables aujourd'hui et qui peuvent être cadrés à l'aide d'ordre de bourse. Premier scénario possible, une volatilité réalisée basse importante aujourd'hui sur la paire euro-dollar, en clair une mèche basse. Un euro-dollar qui, suite soit à la décision des taux d'intérêt ou à la conférence de prise de Mario Draghi, reviendrait travailler ici les bas récents, voire créerait un excès baissier. Et dans ces cas-là, il faudrait chercher, je dirais, à le ramasser dans cette zone-là. C'est une stratégie agressive dans le sens où, régulièrement, lorsque l'euro-dollar rejetait depuis un niveau de résistance et qu'il faisait de nouveau plus bas, eh bien, on accélérait à la baisse. Hein, c'est en tout cas ce qui se passe sur la paire euro-dollar depuis les 1,40 et puis plus récemment depuis la cassure ici des 1,3330$. C'est une stratégie agressive, mais qui va dans le sens de la capacité de l'euro à enfin créer un rebond technique. Si cette stratégie vous la jugez trop agressive du point de vue de la tendance en place depuis 4 mois maintenant, il y a une autre façon d'être dans un éventuel rebond technique de la paire euro-dollar, c'est l'achat stop, c'est-à-dire rentrer acheteur lors d'un franchissement avéré d'un niveau de résistance. Alors la première résistance se trouve à 1,3160$, et dans ces cas-là, eh bien l'achat stop doit prendre en compte une certaine marge pour être certain qu'il ne s'agisse pas d'un faux signal.
sachant que nous avons peut-être eu un pré-signal ici depuis que les cours ont cassé à la hausse cette oblique de résistance. Et dans ces cas-là, l'achat stop vers les 31,75 par exemple, peut être une stratégie intéressante pour envisager une reprise en direction des 32,20, voire éventuellement revenir chercher ici les 32,50. Dans tous les cas de figure, si rebond technique il y a de la paire euro-dollar, ce qui est loin d'être acquis, il ne faut pas être trop gourmand du point de vue des objectifs de cours, et je pense qu'un trade de 60, 70, 80 pips me semble déjà être une bonne chose, sachant qu'assez rapidement les intérêts vendeurs peuvent se matérialiser. Donc voilà, en ce qui me concerne, comment je pense qu'on peut aujourd'hui travailler cette paire de devises, sachant que voilà, depuis que nous avons cassé à la hausse cette oblique de résistance, on fait un flat sous les 31,60 et qu'il y a peut-être une possibilité. Alors, même si l'euro-dollar ne semble pas être le meilleur candidat pour un scénario de rebond technique supérieur à 30 pips de l'euro, quelles sont les autres possibilités? Donc je vais repasser sur l'horizon de temps journalier, et puis on va se poser la question de l'euro-yen, de l'euro-CAD, de l'euro-AUD, de l'euro-GBP, etc. Bref, de toutes les paires en euros, puisque aujourd'hui c'est bien la Banque Centrale Européenne qui s'exprime. Alors commençons par le premier graphique qui vient, c'est celui de l'euro-AUD. L'euro-AUD, nous l'avons accompagné dans la baisse depuis très longtemps en fait, depuis que la paire avait cassé la ligne de coup de cette structure en épaule tête-épaule. Reste que elle a atteint un niveau de support horizontal assez limpide à 1,4050. Alors vous voyez, tout à l'heure, lorsque je vous montrais l'euro en tant qu'indice devise, je vous ai montré un niveau de support horizontal, dont la traduction est à 1,31$ face au dollar, mais dont la traduction est aussi à 1,4050$ australien. C'est un niveau horizontal qui, pour l'instant, génère quoi? Une stabilisation. Je vous ai parlé de cette séance du mardi 2 septembre. C'est donc ce chandelier. Alors ici, nous sommes en données 4 heures. Donc, je vais passer en données journalières. Mais disons qu'en données 4 heures, nous avons ici matérialisé un petit marteau ici sur l'euro AUD. Je vais donc maintenant passer sur l'horizon de temps journalier. Alors, cela reste une stratégie hautement agressive. Et moi, je m'intéresse uniquement au ratio rendement-risque. Et autant vous dire que lorsqu'on est posé sur un tel niveau de support, le risque est minime, c'est-à-dire qu'il est de 20 pips sous le niveau de support. Donc, voilà, elle vous est livrée telle qu'elle, c'est une possibilité si on cherche à attraper un rebond technique de l'euro, alors qui pourrait durer quoi, 2, 3, 4 jours, je ne sais pas. En tout cas, je constate que depuis le début de la semaine, il y a une forme, le marché semble croire que cette fois-ci, la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui ne devrait pas révolutionner grand-chose aujourd'hui, en ce qui me concerne, je n'attends pas d'annonce particulière. Elle pourrait donc être justement le bon timing pour un rebond technique de l'euro. Donc ça, c'est pour cette paire de devises. Envisageons maintenant les autres. L'euro AUD, l'euro GBP, l'euro Yen, l'euro CAD, bref, l'euro quoi. L'eurocad, on en a parlé hier dans la session de trading dédiée à la décision de politique monétaire de la Banque Centrale du Canada. L'eurocad, l'idée là n'est pas d'anticiper quelque chose de trop important. Alors certes, on se stabilise sur 1,4255. D'ailleurs, 1,4255 n'a aucune existence sur le plan des niveaux de chartistes horizontaux. C'est un niveau qui passe au milieu de nulle part. Sauf que on semble vouloir se stabiliser sur ce niveau des 1,4255, l'idée étant d'entrer dans un rebond technique ici qui se fasse en direction de la résistance des 1,4417. Moi, je m'intéresse au rendement risque, donc vous avez ces 1,4050 sur l'euro AUD, potentiellement un euro doll qui, s'il devait s'affranchir des 1,3160, pourrait revenir chercher un 32,20, voire un 32,50, sans exclure le scénario d'une mèche basse sous 1,31 avant reprise. Et puis donc, nous avons ce niveau sur l'eurocad, et j'ai remarqué hier que suite à la décision de politique monétaire de la Banque Centrale du Canada, le marché est revenu travailler le grand corps ici du 2 septembre avec une mèche basse, et puis depuis ça tient. Donc j'ai toujours ce sentiment que le marché peut aller chercher cette résistance à 1,4420, donc une centaine de pips d'appréciation. Et à ce moment-là, le stop de protection il est placé sous les récents bas.
Maintenant, l'euro-GBP. Poser la question de l'euro-GBP, c'est forcément poser la question des deux banques centrales qui sont aujourd'hui concernées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici cet indicateur, je vais supprimer tout ce qui est positionné sur ce graphique pour repartir de zéro sur l'euro-GBP. Donc le voici, l'euro-GBP. Et forcément, on se pose la question d'un l'éventuelle construction d'un niveau de support qui soit solide sur ce niveau des 0,79. Donc je vais positionner ce niveau. C'est donc ce sont ces niveaux des 0,79. On retrouve ici ce chandelier du 2 septembre, où on a pu voir quand même un chandelier japonais assez massif. Hein, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu un comme ça, qui est venu avaler ici la baisse récente. Et je pense que l'euro GBP, si l'on en croit les récentes interventions de la Banque d'Angleterre, elles avaient tendance à affaiblir le sterling. Je pense toujours que le sterling peut se déprécier davantage. Et donc, envisager au bas mot une reprise en direction des 0,80-33. Je vais charger ici donc un indicateur de momentum. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de considérer que la livre sterling, elle, est rentrée dans une phase de dépréciation qui peut encore se poursuivre, et que l'euro, lui, peut entrer dans une phase de rebond technique. Et dans ces cas-là, je pense qu'on peut essayer d'attraper des achats dans le cas de figure où le marché reviendrait travailler ce grand corps ici du 2 septembre. Donc disons à mi-chemin, on a un niveau ici à 0,7940 par exemple. 0,7940, protégé par un stop sous ces 0,79 pour viser une target à 0,8030. Et puis si derrière ça passe, envisager peut-être une reprise à 0,8080. Là par contre, il sera sérieusement temps d'encaisser. Hein. Mais en tout cas, voilà. Je constate là aussi que l'euro tente de former un support et d'entrer dans une phase de rebond technique. L'eurocad a été évoqué, l'euro-AUD. Maintenant, qu'en est-il de l'euro-yen? Vous avez eu hier sur le site internet une idée de trading, nous parlant sur l'horizon de temps hebdomadaire d'une divergence haussière peut-être cachée. Moi, sur l'euro-yen, étant donné que le yen me semble être au bord du gouffre, je m'intéresse au fait que le marché travaille ce niveau ici des 136,23, qui me semble intéressant, et puis donne un certain nombre de pré-signaux qui me plaisent, et notamment donc ce chandelier ici du 2 septembre, et le fait que les cours aient cassé à la hausse cette oblique de résistance. Donc j'ai toujours le sentiment que tant que le marché tient, eh bien, on va dire la médiane, tant que ce marché tient ici les 137,25, les 137,30, il serait en mesure de se reprendre, de franchir les 138,50 qui sont d'un niveau de résistance pour revenir chercher ici les 139. Donc au final, pour résumer, l'euro tente de construire un support en tant qu'indice devise. Reste qu'il doit franchir une résistance. En termes de rendement risque immédiat, nous avons l'euro AUD qui semble intéressant. On a vu aussi que l'eurocad travaillait cette zone intéressante et pouvait peut-être reprendre les 1,4420 dans le cadre de la poursuite d'un rebond technique. L'euro dollar, il faut s'affranchir des 1,3160. Par exemple, imaginons cet achat stop 1,3175, 1,3180 pour pousser à 1,3220, voire 1,3250. Et puis donc l'euro GBP, s'il revenait travailler 0,7930, à ce moment-là, se positionner dans ce grand corps du 2 septembre pour aller chercher les 0,80,30. Donc voilà, c'est peut-être un thème qui pourrait s'imposer suite à aujourd'hui un non-événement monétaire, à savoir un euro qui enfin entrerait dans un rebond technique. Alors, remettons quand même les choses en perspective, ça fait 4 mois que l'euro baisse. Ça fait, disons, 2 mois que peut-être des analystes techniques ont déjà tenté d'attraper un rebond technique et ils se sont tous mangés, hein, si vous me permettez l'expression. Nous, jusqu'à présent, nous n'avons jamais adopté ce type de stratégie, tenté d'attraper le rebond technique. Là, nous commençons à l'évoquer, mais timidement. Mais en tout cas, nous nous posons un certain nombre de questions au regard de ce que peuvent construire des paires de devises comme l'euro GBP, l'euro CAD, l'euro AUD, l'euro yen. Et puis donc peut-être cette paire euro-dollar qui enfin pourrait ne pas décevoir dans le cadre d'un chandelier de rebond technique. Donc voilà le thème.
aujourd'hui auxquelles il faudra être attentif. Quant à la livre sterling, elle me semble toujours menacer ses premiers niveaux de support. Et je vais vous montrer ici la paire de devises GBP-USD. La paire de devises GBP-USD où vous retrouvez ici le sterling index. Je pense que là aussi, il est clairement trop tôt pour chercher à acheter la livre sterling. L'Angleterre s'est rendu compte, et notamment McCarney, qu'il était peut-être temps de cesser de faire s'apprécier la paire de devises. Et donc, honnêtement, je ne chercherai aucun achat sur le GBP-USD avant. Alors, je vais revenir sur mes indices devises, mais en gros, tant qu'elle est parvenue à 1,63, 1,63,30, j'ai envie de la laisser glisser, hein, cette paire de devises. Donc, méfiance. Alors, dès lors qu'on considère qu'elle peut glisser davantage et que l'euro tente de construire un support, peut-être que là, justement, cet euro GBP pourrait être intéressant. Je la reprends, la voici. Donc, revenir dans le cadre d'une mèche de marché, travailler ce grand corps. Et donc, vous avez pour terminer cet euro. Et puis, je vais aussi parler de l'euro NZD, l'euro AUD qui est ici. Donc, voilà, c'est vrai qu'en termes de rendement risque, le niveau des 1,40-50, bon bah là, il est limpide, on est posé dessus, stop sous les récents bas, et puis advienne que pourra. En tout cas, c'est le principe du rendement risque. Alors l'euro NZD, j'en parle brièvement parce que je pense que le dollar néo-zélandais n'a probablement pas fini soit de glisser jusqu'à un vrai niveau de support, soit de se stabiliser. L'euro NZD, bon certes, nous retrouvons ici ce grand corps du 2 septembre. Il y a donc cette séance du 2 septembre qui est importante pour l'euro, qui est d'abord un chandelier de rebond puis un niveau de support, mais il faut franchir un niveau de résistance. Pas de stratégie particulière sur cette paire de devises euro-NZD, mais si l'euro devait être recherché en tant qu'indice devise, elle serait peut-être elle aussi en mesure de revenir chercher ici ses 58,90. Donc voilà pour l'euro en tant qu'indice devise. Je vais maintenant évoquer d'autres marchés, et puis après, si vous souhaitez que nous passions en revue d'autres paires de devises, eh bien, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Donc ici, voilà, l'euro-doll. C'est vrai que je suis passé sur un graphique en données 4 heures de l'euro-doll, mais en évoquant cette survente. Alors, c'est survendu en daily depuis très longtemps, ça ne l'a jamais empêché de baisser. Par contre, nous avons un RSI hebdomadaire de l'euro-dollar qui, lui, est survendu. Mais autant vous dire qu'il a déjà été davantage survendu. Mais bon, à un moment ou à un autre, simplement assister à un phénomène de retour à la moyenne. Un phénomène de retour à la moyenne. Et bon, j'ai par exemple cette moyenne mobile à 20 jours, qui si vous deviez aujourd'hui... Alors, il y a plusieurs façons de se positionner à l'achat, soit une mèche basse à 1,31,80, soit un franchissement de résistance. Mais disons que le point commun serait d'avoir un objectif de cours qui correspondrait à la moyenne mobile à 20 jours. La moyenne mobile à 20 jours, elle est là, elle est sur du 32,50. Ça me paraît pas mal du tout. Les indices boursiers. Alors, les indices boursiers, je vous ai proposé ce matin un point sur le site et je vais me relire. Je vais me relire parce que, bon, je pense que j'ai été à peu près inspiré. Et qu'est-ce que j'ai écrit ? Au final, les chandeliers japonais journaliers d'hier sur les indices européens sont peu lisibles. Car nous avons eu certes une cassure en clôture, mais une ombre haute, déstabilisante. C'est-à-dire qu'en cours de clôture, on a en effet cassé certains niveaux, mais nous avons une mèche haute de marché qui sème le doute, d'autant plus qu'elle représente la moitié du corps. À cela s'ajoute que les indices américains n'ont pas confirmé les signaux donnés sur les indices européens, ce qui crée donc une situation d'incertitude. Ici, sur la situation à venir des indices européens. Alors ces indices européens, je vais vous montrer le premier d'entre eux, l'indice Eurostoxx 50, où on retrouve en effet donc d'une part la dynamique positive en place depuis le 8 août, et c'est depuis le 8 août que les indices ont rebondi en Europe, aux États-Unis, mais c'est aussi depuis le 8 août que le dollar australien, le dollar canadien ont connu des mouvements d'appréciation intéressants. Et voilà donc ce chandelier ici de l'Eurostoxx 50. Alors j'exagère en disant que la mèche haute représente la moitié de la hauteur du corps, mais au moins un bon tiers. Elle sème le doute, et c'est pourquoi aujourd'hui la clôture du 4 septembre, et puis en fait réellement la clôture hebdomadaire sera importante puisque demain il y a aussi le NFP, permettons de répondre à la question qui est la suivante. Est-ce que les indices européens peuvent effacer 100% de la correction estivale ? Car oui, il y a eu correction estivale. On ne peut pas nier un mouvement de baisse de plus de 10%, même 12% sur l'Eurostoxx 50.
Va-t-on effacer 100% de cette correction estivale? Et pour cela, cela s'accompagnerait d'indices US qui iraient plus haut. Ou est-ce que les indices US vont échouer sous leur sommet historique? Et dans ces cas-là, nous aurions eu raison de nous inquiéter de la qualité des signaux donnés hier par les indices boursiers. Il y a un vrai débat. Il y a des stratégies de vente. Alors Nicolas Chéron vous a proposé hier au plus haut ou à peu de choses près des stratégies de vente qui sont en gain. D'autres sont peut-être dans la phase ascendante en place depuis la fin de la première semaine d'août. Il y a un vrai débat technique, fondamental. Et d'ailleurs, je crois qu'un débat a été lancé sur notre forum CAC 40 à ce sujet. Alors, concernant toujours des idées de trading et puis des paires de devises un peu annexes hein, qui peuvent être intéressantes, je reviens aussi ici sur le cours du WTI. Moi, ce que je pense, c'est que sur le WTI, il ne faut pas se casser la tête. Ce que je vous invite à faire, c'est utiliser l'ordre d'achat à cours limité et de positionner dans le marché un ordre d'achat à cours limité entre 91,20 et 91,50 et d'attendre. Tout simplement acheter ici le point bas de la séance du 3 juin, le point bas de la séance, donc 3 juin 2013, du 9 janvier 2014. Je n'ai vraiment pas, en fait non, je ne pense pas que 92,60 soit un point bas. Donc ici, c'est simple, hein, vous allez sur la plateforme de trading, vous ouvrez le ticket d'ordre et vous enregistrez un ordre d'achat conditionnel entre 91,20 et 91,50. Vous n'avez qu'à mettre 91,35, stop 50, 60 points. Et puis vous attendez. Hein. J'ai regardé d'ailleurs l'expiration de nos contrats sur ce marché et c'est aux alentours, je crois que c'est le 18 septembre. Donc il y a une fenêtre d'opportunité temporelle pour laisser traîner ce type d'ordre puisqu'une mèche basse peut intervenir à tout moment et notamment lorsque les stocks de pétrole US sont publiés par le marché. Toujours par rapport à l'euro-dollar qu'on accompagne à la baisse depuis les 1,40 et depuis la cassure des 1,37. Vous voyez par exemple que sur la plateforme, j'ai cette vente de moyen terme à 1,36,65 et que je compte bien tenir jusqu'à 1,30 et 1,27,50. Mais cela n'exclut pas la possibilité d'essayer d'attraper cet éventuel rebond technique, alors qu'il soit va démarrer à 1,31,80 pour aller à 1,32,50, soit au franchissement des 31,60 pour accélérer vers 32,50. Vous remarquerez bien que le stop de la position vendeuse de moyen terme est à 1,33,51. Donc, il y a cet intervalle, dirons-nous, 1,31,80, 1,32,50, qui peut être exploité d'une autre façon que ces positions vendeuses de moyen terme. Et puis, si aujourd'hui, on casse tous les supports et qu'on vend en ligne droite à 1,30, eh bien, c'est que la tendance de fond reste bel et bien baissière, d'où l'intérêt d'avoir toujours ces ventes de moyen terme ouvertes. Dans les paires de devises annexes qui m'intéressent, alors je vous ai montré le Yen Index qui est au bord du gouffre, ça il faut vraiment le garder à l'esprit. Et donc on a notamment cette stratégie possible sur l'euro Yen, le CAD Yen lui aussi reste bien orienté. Et finalement il y en avait une, alors moi, j'étais en congé donc je ne l'avais pas tellement suivi, mais je trouve que sur le plan de chartiste c'est la plus belle. J'arrive après coup, je regarde le graphique et je me dis mais elle était juste parfaite, c'est la UD Yen. La UD Yen, c'est de l'analyse technique bête et méchante. La UD Yen, c'est à la fois la force du dollar australien depuis début août et la faiblesse du Yen. Lorsque vous prenez la UD Index, c'est 4 semaines consécutives de hausse. Le Yen Index, 3 semaines consécutives de baisse. Et la UD Yen, c'est tout simplement un scénario de breakout. Cassure ici des 96,50. Je suis assez certain d'ailleurs que sur le site d'Eliefix, c'est une stratégie qui a été proposée. Et puis donc derrière, c'est parti. Sauf que voilà, maintenant, l'essentiel du chemin ici a été fait. Par contre, vous avez un range peut-être à mettre à profit qui est intéressant, c'est la UD CAD. Pourquoi est-ce que la UD CAD c'est un range? Tout simplement parce que le dollar canadien et le dollar australien ont bien performé depuis 3 semaines. Et je pense que là aussi, c'est intéressant à mettre en place, puisque c'est un range qui peut durer 3-4 mois encore. Et donc, je vous ai parlé par exemple de laisser traîner un ordre d'achat à 91,35 sur les cours du WTI. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, comme ça je vais arrêter de le suivre. Et si jamais il y a une mèche basse, je serai dedans. Donc, je prends le carnet d'ordre. Je vais créer un ordre d'entrée. Je vais créer donc un ordre d'entrée conditionnel sur ce marché ici. Alors, je vais l'ouvrir. L'ordre d'entrée conditionnel, comme ça, eh bien, je serai dessus. Alors, hop.
en le prenant ici sur, alors je ne sais pas ce qui se passe, ça ne veut pas s'ouvrir, bon je le ferai plus tard. Pour en venir ici au cas de l'AUD CAD, il y a ce niveau à 1.01.18, 1.01.17. En fait, il y a un range qui est quand même intéressant de 120 pips entre 1.01.20 et 1.02.40. Moi, acheter 1.01.20 pour viser 1.02.40, ça me paraît toujours intéressant. Après, on peut même shorter 1.02.40 pour viser 1.01.20. Enfin, c'est un range trading. Là aussi, ça vaut le coup de prendre la plateforme et de laisser traîner des ordres. Puisque, bon, on n'est pas forcément toujours devant la plateforme. Et face à un tel canal horizontal, c'est toujours intéressant si le marché revient le chercher en séance de passer long à ce moment-là. Le stop il est assez évident puisque vous mettez sous 1.01, 1.01.03 pour viser la partie haute du range. Donc vous l'avez compris, on se pose la question de l'euro en tant qu'indice de vise, sachant qu'il reste pour l'instant sous résistance mais qu'il pourrait peut-être la franchir. Il y a un certain nombre de paires de devises envisageables, autres que l'euro-dollar, l'euro-GBP, l'euro-yen, l'euro-AUD, l'euro-CAD. Dans des paires de devises dites croisées, il y en a aussi un certain nombre qui sont intéressantes, notamment ce range trading de l'AUD-CAD, qui me semble intéressant. La livre sterling me semble être toujours menacée et avoir devant elle davantage de dépréciation. Les indices boursiers, nous aurons probablement la réponse, c'est le statu quo. Puisque hier les chandeliers japonais américains ont été négatifs, mais pour l'instant on voit qu'on se stabilise. Quant aux chandeliers japonais européens, ils ont été mitigés et aujourd'hui il n'y a strictement aucune volatilité, il ne se passe rien, si ce n'est qu'on tient pour l'instant les niveaux cassés à la hausse hier en cours de clôture. On les tient. Et je vais donc terminer ce point de marché en basculant sur l'indice CAC 40 en données horaires et en bougie japonaise 5 minutes. Et après donc je répondrai à l'ensemble de vos questions. Alors, on retrouve ici les chandeliers japonais 4 heures de l'indice CAC 40. Donc le rebond technique, il a commencé ici la première semaine d'août. On avait une divergence haussière d'ailleurs en 4 heures. Depuis, on évolue au sein d'un canal de reprise. Et voilà donc le chandelier qui interroge tout le monde. C'est ce qui s'est passé hier entre 7h et 8h. Parce que le signal, en fait, hier sur le marché parisien, il a été donné justement à ce moment-là, lorsqu'on a accéléré. Et puis aujourd'hui, on vient se reposer donc sur ces 4400 points. Alors le marché ne prend pas de décision. Il a fait un point bas à combien? Il a fait pile poil 4400. J'avais pas vu, on a fait 4400. Là, on se reprend 4413. Mais autant vous dire que tant qu'on ne franchit pas les sommets d'hier, la situation est loin d'être gagnée. Vous avez vendu hier les mèches hautes, vous êtes en gain et il faudrait désormais casser les 4400, les réintégrer pour envisager un retour du marché ici sur 4360. Vous êtes à l'achat depuis la cassure des 4400 points, votre stop de protection là aussi il est assez limpide et je vous invite à le positionner sous le canal ici en données 4 heures. Je descends d'un horizon de temps et je termine sur les bougies japonaises 5 minutes de la paire euro-dollar, du CAC 40 pardon. Pour voir si un éventuel signal est donné, mais j'imagine que c'est un range parfait. Pour les 4004, c'est l'équivalent des 3002 sur l'Eurostox 50 et des 9006 ici sur le DAX. Donc, alors là aussi, c'est assez intéressant puisque voilà ce qu'on a actuellement en chandelier 5 minutes sur le CAC 40. Je trouve ça assez propre. On a donc ce mât haussier entre 4360 et 4445. On voit d'ailleurs depuis que nous sommes dans une phase de range légèrement descendante. D'ailleurs, c'est ce que vous montre ici cet indicateur. Quelles sont les résistances? Je pense que nous avons... Alors, je vais essayer d'aller chercher. Mais si je devais le cadrer sur cet horizon de temps-là, l'indice CAC 40, on a donc ces 4400 points. En 5 minutes, on va probablement aller chercher la partie haute de ce canal, mais en tout cas, voilà un canal de prix. Alors, est-ce que c'est un flag? Est-ce que c'est un drapeau pour en sortir par le haut? Voilà en tout cas ici un niveau. Je pense que là, à très court terme, on va aller chercher la partie haute. Donc, vous voyez que c'est une question de 4 ou 5 points. C'est 4416, 4417. C'est pas grand-chose. Reste que le vrai niveau à franchir serait 4421. 4421 points pour envisager une reprise en direction des 4445. Mais
Mais tant qu'on reste enfermé dans ce canal, nous sommes dans une espèce de glissade baissière ici depuis ces 4445 points. Ce que je viens de vous dire là, c'est du relatif, hein. Il s'agit des chandeliers japonais 5 minutes. Alors je repasse en données 4 heures sur la paire euro-dollar et je vais répondre à vos questions. Et puis je regarde donc vos commentaires. Alors, alors c'est parti. Je réponds aux questions de marché. Première question de marché de la part de Guest. Que pensez-vous de ce graphique? Alors, n'hésitez pas lorsque vous proposez un graphique à indiquer de quel actif il s'agit. Bon, là je reconnais, c'est la paire euro-dollar. Eh bien, le scénario que vous évoquez là, c'est plus ou moins celui qu'évoque Nicolas Chéron, c'est-à-dire une mèche basse sous un 31 et derrière un achat et une hausse vers un 32,50. Donc j'en pense que c'est un des scénarios qu'on a évoqué tout à l'heure en début de morning meeting. Revenir chercher en effet cette oblique qui avait été cassée à la hausse, revenir la chercher, donc elle passe sur un 30,90 peut-être, et puis derrière ça repart. On franchit un 31,60 et on va chercher un 32,20, un 32,50. Un 32,50 étant donc la moyenne mobile à 20 jours sur la paire euro-dollar. Donc j'en pense que c'est pas mal. Alors, Daniel167 suggère que nous organisions un webinaire sur qu'est-ce qu'un bon timing d'intervention sur le marché. Donc bon, on pourrait éventuellement envisager ça. Léonel, vous avez une question sur le Bund. Le Bund qui respire depuis le début de la semaine, qui est une stratégie de vente proposée par Nicolas Chéron depuis les 151,50. En données 4 heures, on avait une espèce de structure en épaule, tête-épaule. Bon, là, sur le 4 heures, ça ne me parle pas vraiment. Je vais revenir au journalier. L'idée étant de voir ce marché revenir chercher au moins d'abord le support à 150, et puis après peut-être davantage. En gros, c'était considéré que c'était assez largement suracheté, donc que les rendements obligataires, eux, étaient largement survendus. D'ailleurs, on vous a proposé en début de semaine un tableau synthétique des RSI, des rendements obligataires à 10 ans de nombreux pays européens, pour constater qu'en effet, ils étaient tous assez largement survendus. Sur le prix du Bund, on a en effet cassé cette oblique ici de résistance, de soutien. Et disons que tant qu'on se maintient désormais sous les 151,40, il est en effet possible de revenir chercher le niveau des 150, qui correspond d'ailleurs à cette oblique de soutien. Donc, on reste quand même dans un scénario de prise de profit sur ce marché. Puis nous avions aussi, ici, voilà, bon, alors, on ne peut pas vraiment tracer le canal comme ça. C'était peut-être ce petit canal. Bon, voilà, en tout cas, c'est probable. En tout cas, disons que par rapport. On a toujours trois choix. Hein. Soit on agit, soit on ne fait rien sur un marché, c'est un vrai choix. Soit on l'achète, soit on le vend. Timing ne serait pas à l'achat avant un test des 150. Quant à la vente, elle vous a été proposée en début de semaine. Alors, Franckly. Alors c'est vrai qu'on vous a déjà proposé un graphique de la volatilité sur le Forex. Alors là je ne l'ai pas avec moi, là j'ai pas les données avec moi. Mais en effet, elle est au plus bas depuis très longtemps. Mais on aura l'occasion probablement de le réintégrer à des analyses. L'euro NZD, ça a été évoqué tout à l'heure. Le pétrole, je pense que vous devez laisser traîner un ordre d'achat entre 91,20 et 91,50. Alors certes, hier on s'est repris, mais je pense pas du tout qu'on soit là encore dans un scénario de point bas de moyen terme. Moi, c'est vraiment ces niveaux-là ici, ce niveau horizontal ici qui m'intéresse, qui est à 91,21. Donc pour les indices européens, n'hésitez pas à surveiller l'Eurostock 50, hein, puisqu'on a potentiellement une épaule tête-épaule inversée en journalier. Avec ce chandelier d'hier, sauf qu'il faut vite et rapidement franchir les sommets d'hier. Et là, dans ces cas-là, ouais, en effet, on retourne ici chercher ces tops de la mi-juin. Alors, Patrick 56, ça je ne sais pas pour l'euro-dollar.
Est-ce que je peux faire le DAX en 5 minutes? On peut aller chercher un graphique du DAX en 5 minutes si vous voulez. Sachant que je ne l'avais pas autant travaillé que le CAC 40, mais on peut regarder. Alors, il est là. Bon, le DAX en 5 minutes, je vais essayer de le paramétrer comme je n'ai pu le paramétrer ici sur le CAC 40. Mais bon, là j'ai pas de. Je pense que pour l'instant on n'est pas réellement là dans une phase de tendance. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, c'est pas un graphique que j'ai préparé, donc je préfère ne rien vous dire plutôt que vous dire des bêtises. Alors Léonel, alors c'est pas mal, Léonel, en effet, un beau graphique de l'euro à UD, c'est pas mal. J'avoue que j'avais pas du tout ce potentiel biseau en D1 avec une capacité de revenir chercher les 1,42. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une paire en euros ou en dollars australiens, comme vous voulez, qui est intéressante du point de vue du rendement risque. Je suis tout à fait d'accord, hein, ce niveau des 1,40-60, il est très plaisant. Dans le cadre d'une respiration de la UD et d'un euro qui, en vrai, sont un support. Pas un support définitif, mais peut-être un support qui peut durer au moins 4-5 jours, hein, ce qui serait déjà pas mal. Puisqu'il l'a rarement fait l'euro dollar. Alors, hop, le voici d'ailleurs. Je vais le remettre en données journalières. Alors oui, donc en effet, From MF, nous en avons parlé, de cette paire de devises. Et enfin, je terminerai par le CAD Yen, puisque le CAD Yen est la dernière question. Alors, le CAD Yen a été évoqué hier, sachant que c'est une tendance haussière depuis le 11 août, tout simplement parce que là aussi, le CAD s'est apprécié, le Yen a reculé, et puis le prix des actions nord-américaines s'est apprécié. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que certes, c'était haussier, puis qu'on avait un beau canal de progression, et qu'on travaillait un niveau de résistance à 96,22. Le chandelier d'hier est un chandelier d'hésitation. C'est assez normal lorsqu'on atteint un niveau de résistance horizontal. J'attire cependant votre attention sur le fait que désormais, cette paire de devises est surachetée. Alors, envisager un achat sous résistance lorsqu'on est suracheté, autant vous dire que ça reste de l'ordre du compliqué. Donc sur cette paire de devises, je ne peux vous proposer qu'un suivi de la tendance en place depuis le 8 août. Vous proposer une stratégie de vente, ça me paraît compliqué au regard de la tendance. Stratégie d'achat aussi. Mais voilà, somme toute, disons que tant qu'on tient les 96 en cours de clôture, on peut envisager que ce rythme de progression se poursuive en direction de cette oblique de résistance et qui passe actuellement vers les 97. Alors, qu'est-ce qui pourrait la porter plus haut? Une envolée du CAD, il a l'air de vouloir se stabiliser, surtout après la BOC. Peut-être un plongeon du Yen. Voilà. Un Yen qui réellement s'enfoncerait, forcément, celle-là serait une des premières à s'apprécier et donc à rejoindre les 97. Et pour l'instant, le Yen, il est au bord du gouffre, mais il n'est pas tombé dans le précipice. Alors, donc Thierry THB, non, je ne connais pas ce monsieur Lacroix. Et enfin, donc, dernière question sur l'USDCNH. Tant que ça charge. Alors l'USDCNH, ça reste compliqué. On voit qu'on travaille toujours cette zone. On travaille le 50%, les 6,14.
C'est vrai que ça a du mal à partir. Après, bon, on est sorti par le haut de ce canal. De toute façon, alors c'est vrai qu'il faut être honnête, hein, on a évoqué des stratégies d'achat possibles sur ce niveau des 50% avec un stop sous les récents bas, donc avec un stop sous les 6, 13, 43. C'est une stratégie qui est moyennement engagée, même plutôt mal. Mais bon, on tient toujours le point bas de cette séance du 19 août. Donc voilà, c'est un trade, une proposition de trade parmi d'autres. On verra bien. Hein. On verra bien si on enfonce ce point bas, ce sera un échec. Et puis si ça tient et qu'on franchit la moyenne mobile optimisée à 22 jours, ce sera un succès. Et enfin, guest, pourquoi est-ce que je n'évoque pas les paires en CHF? Eh bien parce que aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'en faire un tour d'horizon. Donc on aura l'occasion d'en parler, on ne peut pas tout suivre. Mais sachez qu'à moyen long terme, forcément, si on anticipe une baisse du taux de change de l'euro face au dollar vers les 1,2750, forcément cela continuera de porter l'USD CHF vers les 0,95. Mais là on parle du moyen long terme, entre-temps elle peut revenir sur support avant de repartir à la hausse. Et je vais bah écoutez, je vais dans ces cas-là terminer par une paire en CHF, ce sera l'USD CHF. Si on envisage que l'euro casse à la hausse les 1,3160 ou dans un premier temps fasse une mèche à 1,3080 et puis reparte et franchisse et 1,3160 pour un vrai rebond technique, cela signifierait que l'USDCHF eh bien, reviendrait chercher des niveaux de support et notamment pourrait se replier en direction des 0,9140, voire des 0,9110. Ce qui est dans l'ordre du possible. À ce moment-là, à 0,9110, ce serait un niveau d'achat. C'est vrai que le chandelier journalier de l'USDCHF du 2 septembre appelle à une phase de correction, au moins en direction des 0,9146. Donc là aussi, ça laisse la place à un rebond technique de la paire euro-dollar. Voilà, donc je vous remercie d'avoir assisté à ce morning meeting. Tout à l'heure, il y a une décision de la Banque d'Angleterre, donc on l'accompagnera sur le forum Real Time News. Vous retrouvez Nicolas Chéron à partir de 14h15 pour une session de trading. 16h15, le gaz naturel et 18h, tout ce qu'il faut connaître pour bien trader notre CFD France 40. Merci à tous et à tout à l'heure.